A merry little Christmas. Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le band groupe The Rose et leur nouveau titre Beauty and the Beast, la Belle et la Bête. Alors franchement, je suis tombée sur le cul ce matin au travail. À ma pause, je regarde dans les notifications parce que à la base je voulais réagir au titre de You, mais c'est avéré que c'est pas un clip mais juste un single qui est sorti, donc je trouve ça pas très intéressant de réagir juste au single, à part si je l'ai dans les commentaires, alors là je le ferai pour accéder à une demande, mais de moi-même je vais pas le faire, j'écouterai la chanson à part tout simplement. Et en regardant, comme je disais, dans mes notifications, j'ai vu The Rose et je me dis, tiens, c'est bizarre, je connais quand même pas ce titre. Ça a l'air d'être quelque chose qui vient de sortir. Je vais me renseigner. Je vais sur même mon iPhone. Je vais dans Apple Music. Et je vois que le single est sorti le 29 décembre. Donc en date du jour, je me dis... Bon, soit. Pour moi, perso, c'est une très très belle surprise. À mon avis, ça a été tourné avant que les membres soient leur service militaire obligatoire. On sait bien que le leader, lui, il a fait tout simplement un album solo il n'y a pas longtemps. Enfin, je pense que c'est le leader, hein. J'arrive plus à revenir sur son nom. Soit, voilà, je me dis, ok. Est-ce que c'est quelque chose, comme je disais, ils ont tourné avant service militaire? Ou ils sont revenus du service militaire, mais franchement, je regarde pas tout ce qu'il y a sur les sites communautaires. Donc, franchement, je sais pas. Mais rien que le titre me donne vraiment envie. La première image que vois, c'est une toile d'araignée avec une main. Tu dis, ok. Qu'est-ce que ça va se donner? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que je suis vraiment impatiente parce que The Rose, j'ai pu les voir deux fois en concert ici en Belgique. Et c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce band groupe. Et même en solo, franchement. Mais je sais plus comment il s'appelle. Hein. Attendez. Ah voilà, Woosung. J'ai juste pour son premier album pour le moment, mais j'aimerais vraiment m'acheter son nouvel album parce que rien que Lazy et tous ses autres titres sont géniaux. Surtout que tu vois vraiment sa fibre artistique quand il compose avec The Rose est complètement différente quand il compose en solo. Donc bon, il faut que j'achète aussi les albums d'80s, mais les cadeaux de Noël m'ont ruiné. Mais bon. Sur ce, je pense que vous en avez juste marre que je parle. Je vais réagir à ce nouveau titre maintenant. Go! Oh! Ah, ça fait du bien de les revoir. Je suppose qu'il joue la bête. Il a arraché. Oh, des ailes d'ange. Oui, pourquoi pas. Oh, c'est très joli le visuel. Cette voix. Ça fait un peu penser à Pinocchio là. Cette guitare qui est vraiment accentuée, j'aime beaucoup. Après, en général, j'aime tous les titres de The Rose, donc après, Woosung est un très très bon parolier, hein. Un très bon compositeur aussi, hein. Ah, j'aime quand t'as les autres membres du groupe qui chantent également, c'est chouette. C'est quand même
quand même 4 minutes 23 de pur plaisir, les gars, et on est à peine à 2 minutes là. En fait, tu as trois histoires différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre. C'est dommage que j'ai pas accès aux sous-titres. Hein. J'aime beaucoup parce que là on montre vraiment l'intergénérationnel, tu vois, il y a vraiment de tout âge, surtout ce petit garçon avec ce vieux monsieur. Un peu la salle de bal, hein. Allez. Là t'as vraiment ce couple qui fait vraiment la belle et la bête, hein. Lui qui est meurtri. Oh, changement de tenue, pas mal. À mon avis, c'est encore porteur de messages. Quoi, je sais pas, parce que je comprends pas les langues, hein, désolé, même s'il y a peut-être parfois des mots. Mais j'irai voir la traduction après ma réaction. Là, ça fait très princier et très royal comme la belle et la bête. Alors, à part dire que j'ai adoré, que dire de plus? Donc vraiment, encore une fois, un single génial. Il faut vraiment que j'aille voir les paroles parce qu'à mon avis les paroles sont encore bien porteuses de bons messages. J'ai beaucoup aimé, comme je le disais, cette intergénération. Donc t'as vraiment d'un vieux monsieur au petit garçon et puis ces deux couples qui sont assez jeunes. Tu as vraiment la référence, je trouve, au Disney La Belle et la Bête, parce que tu vois les deux personnages du milieu. Donc vraiment cette bête qui était enfermée, on dirait, comme s'il avait coupé ses ailes. Est-ce que ça a une signification dans la chanson? Peut-être cette jeune femme qui arrive pour le soulager peut-être de sa douleur. On voit après que les trois pères de couple, on va dire ça comme ça, il y a cette fameuse porte qui s'ouvre. Tu vois vraiment comme s'ils rentraient dans une sorte de forêt boisée qui pourrait faire référence au film aussi La Belle et la Bête. Et puis ils arrivent où il y a les zoos qui performent. Qui performe et bah, en clair il danse. Après un petit peu aussi une des scènes mythiques quand la Belle et la Bête dansent ensemble dans cette fameuse salle de bal. Donc je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de cohérence entre les deux. La chanson, je peux vous dire que ce soit les couplets, le refrain ou entre, j'ai tout aimé. Tout aimé, et vraiment cet accent sur la guitare au niveau du début de refrain, il me semble, franchement topissime. Même leur tenue faisait royaux. Mais franchement, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qu'ils ont tourné avant le service militaire ou s'ils sont revenus de leur service militaire. Franchement, je suis perdue. Vraiment, je suis perdue, je ne sais pas, parce que c'est tombé dessus. C'est vrai que je suis rarement sur les sites communautaires, etc. Moi, c'est plus, je me suis abonnée à toutes les chaînes pour voir toutes les suggestions des groupes que j'aime bien ou des artistes que j'aime bien. C'est comme ça que je vois les sorties et c'est comme ça que je fais mes réactions. Mais franchement, ouais, je suis perdue, je sais pas, je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi cette sortie, s'ils sont venus, enfin je veux pas encore de nouveau déblatérer, je pense que vous en avez marre de m'entendre. Sur ce, vous, est-ce que vous avez apprécié ce nouveau titre également, l'UMV, n'hésitez pas à me dire ça tout dans les commentaires. Moi je vous fais
plein, plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.